Good morgen, allez, Iden et Sus aujourd'hui, les Louis Nishmat, Mesharon, Ben Fortune, Mazal, Claude, Israël, Ben Fortune, Mazal, Dan et Myriam, Bat, Elisa, Sayak, si vous êtes aussi dédié, la prochaine étude de Michel, contacté à 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechatsuka, Perigéman, Michel Zain. Shur Etrog, Akatan, Rabbi Meir Omer, Kegoz, Rabbi Yoda Omer, Kabeitza. Ubagadol, Kedesh, Yochaz, Shnaim, Beyado, Achat, Ivrei, Rabbi Yehuda. Rabbi aussi Omer, Afilou, Echad, Bishte, Yadav. Une troisième Mishnah maintenant. Qui nous précise les lois du etrog en s'intéressant à la taille du etrog, la taille minimale et la taille maximale. Shiur etrog akaten, quelle est la taille du etrog, le plus petit etrog possible? Rabbi Meir Omer, qui est égose. Le Rabbi Meir me dit, comme une taille d'une noix. Rabbi Yehuda Omer, kabeitza, Rabbi Yehuda me dit, comme un kabeitza. Kabeitza, la taille d'un œuf, volume très connu, 56 ml d'eau, 56 grammes d'eau en fait. C'est le volume. Vous imaginez un étrog comme ça, relativement petit. Concrètement, ça, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas en tête pour le moment, mais on tient à ce qu'il y ait au moins 120 cm3 au moins dans la taille, 110, 115, l'équivalent de 2 kabeitza. Et voilà. Ça m'est déjà arrivé une fois, j'avais un très bel étrog marocain, mais qui avait une taille relativement petite, il fallait faire attention pendant Soukhot, à toujours l'enfermer dans son sac plastique pour ne pas qu'il perde du poids tous les jours en fait. Il y a un minimum qui se perd, mais quand on joue sur les limites, on se retrouve avec un étrog qui est comme ça, il faut faire attention à ce qu'il garde une bonne taille. Et donc, Ubagadol, et donc ça, donc on avait deux avis, un qui avait une taille d'une noix et l'autre qui avait une taille de beitza. Ubagadol, maintenant, le plus gros étrog possible maximum, il y en a qui aiment les très gros étrogis, mais les étrogs Témani du Yémen en Israël, il y en a qui adorent en acheter des gigantesques comme ça, et eh bien la Mishnah va me dire est-ce que c'est bien ou pas. Vous allez voir. Selon Rabbi Yehuda, il faut que tu dois prendre un étrog maximum, que tu peux en attraper deux dans la main. C'est-à-dire les très gros étrogs de manie, tu n'arriveras pas à mettre les deux dans la main. Selon Rabbi Yehuda, ce n'est pas validé. D'accord? C'est quoi cette histoire d'en attraper deux dans les mains? La Gemara l'explique, parce qu'en fait, ça arrive que des fois, tu as le loulav, tu les as pris les deux, tu te trouves avec le loulav dans la main gauche et le truc dans la main droite. Il faut faire le contraire. Tu vas vouloir les changer de place. Il faut qu'ils puissent être, que tu puisses les manier et les bouger. Donc du coup, c'est ça la taille maximale, puisque tu dois les retourner de façon. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Afilu Echad Bishteyadav. C'est Rabbi Yossi, non. Même si tu dois attraper un seul étrog avec tes deux mains en même temps, c'est aussi bien validé. Par contre, tu es obligé d'après. La lacha sur ça, elle est établie comme Rabbi aussi, donc on tolère. C'est pour ça que ceux qui aiment très gros étrogis ont la témanie, je ne sais pas exactement si c'est d'où c'est venu en fait. Est-ce qu'il y avait un minec pareil, parce que c'est des nouvelles générations qui aiment bien les idées farfelues un peu partout. Donc du coup, ils sont bien. Il faut voir, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, c'est impressionnant de voir. Un truc, c'est un peu long comme un très gros melon proche d'un pot d'une pastèque. Et il l'attrape comme ça, un très gros étrog avec des fois, il y en a qui prennent des loulavim qui font des 2 mètres de haut, et puis il se retrouve avec un loulav de Og Melech HaBashan. Ben, donc ça marche d'après Rabbi aussi, c'est validé. Donc tu peux l'attraper, même d'après un avis, donc c'est que tu attrapes, même si tu as besoin de tes deux mains pour l'attraper. Le Barthénois rapporte l'avis du Ran, je crois, ouais c'est le Ran, qui nous dit non, que tu attrapes avec les deux mains, un le etrog et l'autre le loulav. Mais pas que tu aies besoin des deux mains pour attraper l'etrog, sinon comment tu vas faire pour attraper le loulav? Comment tu réussiras à le casser? Et en fait, la seule différence, c'est que d'après Rabbi aussi, t'as pas besoin c'est pas grave, t'as pas besoin de retourner, de pouvoir les inverser. Faut juste que tu veilles à ce que tu puisses les attraper comme il faut. Le loulav de ta main gauche, le étrog de ta main droite. Le loulav de la main droite et le étrog de la main gauche. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.